y est, c'est la rentrée et ma voix est revenue pour la nouvelle lune, c'est super. Une nouvelle lune en Vierge dont je viens vous parler aujourd'hui. Je vous invite à aller découvrir le billet de Denise qui se trouve sur astroéthique.fr. Voilà, un billet merveilleusement bien écrit où vous allez tout savoir, tout découvrir sur le signe de la Vierge, découvrir autrement. Voilà, j'ai trouvé que l'approche de Denise pour ce petit billet aujourd'hui, il était particulièrement intéressant parce qu'elle commence par nous déballer tout ce que c'est le signe de la Vierge et quel est donc le sens de cette nouvelle lune en Vierge. Le signe de la Vierge, c'est trier, c'est faire le tri entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est affiner nos perceptions, nos goûts, nos dégoûts et tout ça mais dans le but d'une meilleure qualité de vie, tout simplement. Donc cette nouvelle lune, elle est extrêmement positive. C'est le moment de poser une intention forte parce qu'elle démarre un nouveau cycle dont l'apogée se fera le 19 septembre avec la pleine lune qui sera suivie le 20 septembre du retour en marche directe de Pluton. Pluton, l'astre des transformations en profondeur. Dans 15 jours, Pluton y redevient direct, plus moyen de faire marche arrière. On y va, même si c'est au casse-pipe, il faut y aller. Le changement, c'est une nécessité absolue. On doit être dans notre vérité de plus en plus. On ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus tricher avec sa vie. Le nœud nord qui est près de Saturne en Scorpion, Scorpion signe qui renvoie à Pluton, la transformation en profondeur, Saturne, notre vérité absolue. Le nœud nord, nos buts à conquérir sur Terre, quel est le sens de notre venue ici, qu'est-ce qu'on est venu faire, comment on fait pour évoluer et comment on fait pour être soi. Et bien tout ça, ça vient nous dire qu'il faut passer par un changement certain. Il y a donc des choix importants qui doivent être faits, des décisions. Et il faut y aller lentement mais sûrement avec l'énergie de Mars en Lion qui nous pousse à être conquérants de nos vies, à conquérir notre bien-être, et avec l'énergie du Soleil et de Mercure en Vierge qui nous invite à une préparation, à faire les choses dans une forme de sécurité, à bien préparer le terrain pour faire les choses dans la justesse. Là, c'est Vénus en Balance qui nous invite à ça. Vénus en Balance, elle est toute seule dans le signe de la Balance pour cette nouvelle lune. Et donc, elle a besoin de personne, mais le signe de la Balance, c'est l'équilibre, c'est la justesse. Donc voilà, justesse, action, réflexion, et on avance, et on y va. Par contre, voilà, on n'hésite pas. On y va lentement, mais sûrement, certainement, parce que dans 15 jours, de toute façon, Pluton revient direct, et là, il n'y a plus de marche en arrière possible. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une superbe belle pleine lune. Vous avez rendez-vous avec la vie, vous avez rendez-vous avec vous-même, et vous avez rendez-vous sur astroéthique.fr pour découvrir ce merveilleux billet. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux bulletins, car c'est reparti. Ça y est, les enfants sont retournés à l'école, maman a retrouvé ses marques, et puis ben, voilà, je suis à nouveau disponible pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie tout plein d'amour. N'oubliez pas de vous connecter à vous-même, à qui vous êtes. Avancez, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui peut vous arriver de toute façon, si ce n'est le meilleur, puisque vous allez mettre en place tous les changements nécessaires à votre évolution. Voilà. À très vite !